Donc aujourd'hui, on va préparer les fausses cuisses de poulet. Donc on aura besoin des cuisses de poulet, des olives vertes, un mélange d'épices avec du sel et des oignons hachés, un oignon, un petit oignon, des pommes de terre pour faire une purée, de la chapelure et de la tomate fraîche, conserve et de l'ail et une cuillère de moutarde. Donc, je vais mélanger à mes cuisses les oignons, le mélange d'épices et le sel, une cuillère de moutarde, une cuillère de margarine, et un peu d'huile, une cuillère d'huile ou deux. Je mélange bien et je vais rajouter la tomate conserve et fraîche et l'ail. Et mes olives vertes que j'ai fait bouillir avant de les mettre pour enlever leur sel pour que les cuisses ne soient pas trop salées. Donc je vais mettre le tout dans des sachets de cuisson. Voilà mon plat. Donc je vais verser tout à l'intérieur du sachet. Donc je vais rajouter une cuillère de crème fraîche, c'est au choix. Un peu d'eau, je vais bien mélanger le tout, voilà, et je vais attacher mon sac et je vais laisser un petit trou pour. Voilà. Puis on préchauffe le four à 200 degrés. On va mettre tout dans le four. Entre-temps, je vais faire bouillir mes pommes de terre avec de l'eau et du sel. Je vais préparer ma purée. Voilà, c'est bon.
Donc mes cuisses, elles sont prêtes, elles sont cuites. Donc là, je vais émietter mon poulet. Je vais couper en tout petits morceaux. Donc, une fois mon poulet bien coupé, je vais le rajouter à ma purée de pommes de terre que j'ai écrasée avec une fourchette. Et je vais rajouter un morceau de fromage fendu. Je vais bien écraser le tout. Donc je vais aplatir mon mélange. Je vais rajouter un peu de fromage, du fromage râpé, cheddar. Et je vais mettre l'os. Et je vais former mes fausses cuisses. Il faut bien les fermer. Voilà. Après, je vais les rouler dans de la farine. Je vais les tremper dans l'œuf et après, je vais les recouvrir de chapelure. Je vais les faire frire dans de l'huile jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Et là, je vais préparer notre cuisse. Voilà, je vais faire une autre avec vous. Vous allez bien la voir. Voilà, on va les surveiller. On va les faire cuire dans tous les côtés, sur tous les côtés, pour qu'elles soient bien dorées et jolies. Donc voilà, les cuisses, elles sont très jolies et très bonnes. Croyez-moi, elles sont très bonnes. Alors, je vais ajouter la sauce, une petite sauce.
et un peu de, je vais mettre un peu de shiba. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous dire sahaftorkom et surtout n'oubliez pas de vous abonner.